Merci d'avoir partagé cette photo, a tweeté Charles Spencer, le frère de la regrettée princesse de Galles, Diana, le 27 avril. Elle a été prise fin 1980, j'avais 16 ans et ma sœur était venue me chercher au collège d'Eton pour m'emmener déjeuner au INZ, continue-t-il. S'il ne précise pas si leur repas dans ce pub du 15e siècle, situé dans le Berkshire, au nord-ouest de Londres, était bon, Charles Spencer ajoute un détail assassin expliquant parfaitement la mine peu réjouie que les deux jeunes gens affichent. 12 voitures pleines de journalistes et une moto suivaient sa petite mini-métro, ce qui suffit à rendre n'importe quel ado bougon, conclut-il. Si l'experte royale qui a partagé le cliché sur Twitter compare les jeunes adolescents à une jaquette d'album du groupe britannique The Smiths, la réalité est bien moins glamour. Une moulourde de sens, ce que l'experte royale Marie Rowan ne dit pas, c'est que cette jeune femme vêtue d'une jupe crayon, un col roulé et une chemise ouverte allait bientôt devenir membre de la famille royale d'Angleterre. Si Diana avait rencontré le prince Charles fin 1977, alors qu'il sortait avec sa grande sœur, Sarah, c'est en 1981 qu'ils se sont fiancés. Bientôt le mariage, puis les rebondissements et les scandales. Voilà de quoi être énervé. Surtout qu'à l'époque, le prince de Galles fréquente déjà Camilla Parker Bowles, elle aussi rencontrée dans les années 70. On a connu déjeuner dans un pub plus paisible. Article écrit en collaboration avec 6 médias.